Bon, ici au lasso, je vais aller sélectionner d'autres choses. Voilà. Ça, par exemple, ah tiens, j'aurais dû zoomer en arrière avant, mais c'est pas grave, je vais utiliser la touche majuscule pour ajouter. D'accord? On peut le faire en plusieurs fois, en fait, hein. Voilà. Bon, mais ça a l'air d'être bon. Je voulais donc sélectionner les... Oui. Les traits pour les bras et le visage. Et donc, filtre divers maximum va permettre d'affiner, éventuellement. Filtre divers maximum. Ah ben oui, ça fait l'inverse de ce qu'on pense que ça va faire. Voilà. Et si je trouve qu'un pixel, ça fait trop, il va falloir que je le fasse sur une image agrandie. Bon, je vais quand même le faire ici. Filtre divers maximum. Voilà, j'affine. Voilà, sélection désélectionnée. Comme ça, vous avez vu qu'on peut affiner ou épaissir. Mais ça devient très fin et vaporeux là-dessus, en fait. Bon, finalement, je vais annuler. Je vais pas le faire. Ok, alors il reste à supprimer le fond derrière, en fait, hein. Si on fait sélection sujet, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va arriver à repérer le personnage? Menu sélection sujet. Non, il foire complètement ici, au niveau, à ce niveau-là. Donc ça, c'est pour arriver à importer le fichier Photoshop dans un autre, en fait, hein. Parce que vous allez fonctionner comme ça. Vous allez mettre en couleur vos différentes parties du projet, et puis vous allez les assembler en les important dans un autre document blanc, éventuellement, en faisant fichier importer. Bon, donc ici, pour arriver à sélectionner le personnage, il va falloir que je teste à la baguette magique en cliquant sur le fond, éventuellement. Il ne veut pas. Donc on a un problème de trou, et on a les traits de fermeture là au-dessus. Vous pouvez afficher le calque, allez-y, afficher le calque des traits de fermeture. Bon, est-ce que tout est bien fermé ici? Ça a l'air. Là aussi. Par contre, là, je vais au pinceau. Et c'est quelque chose qui n'apparaîtra pas à la fin, donc je peux faire un truc un peu foireux. Je vais aller fermer comme ça, en fait. Donc c'est pour être certain que la baguette magique va arriver à fonctionner sur ces traits qui sont non fermés. Et non colorés en plus, il n'y a pas de surface colorée. Bon, ben, ça devrait aller là. Qu'est-ce qui se passe si on prend la baguette magique et qu'on clique? Eh ben, ça a l'air d'aller là. D'accord, donc sur le calque trait de fermeture, au pinceau en noir, vous bouchez les trous. Avec la baguette magique, vous allez cliquer sur le fond blanc autour du personnage et on dirait que ça a sélectionné comme ça doit le fond blanc. L'entrejambe, bien sûr, avec la touche majuscule, majuscule clic, et voilà. Voilà. Parfait, parfait.